Dans un hôtel, l'hôtel de l'Orange, à Saint-Jean-du-Gard. Corélie nous a emmenés dans ce site normalement très touristique, qui est très beau, où il y a et à la fois des paysages, des activités. Dans ce site de vacances, nous sommes venus pour assister au festival de l'Alto, appelé Fête de l'Alto, typiquement, où principalement des altistes sont invités à jouer, donner des masterclass, on les voit aussi en répétition, ils peuvent enregistrer des disques, et ils ont des élèves de très haut niveau, des étudiants qui viennent ici. Donc c'est une occasion pour tout le monde de découvrir de très grands musiciens qui viennent de Norvège, d'Égypte, d'Italie, bien sûr aussi de France, mais n'oublions pas New Rhythm qui vient de Chine, et vous allez pouvoir écouter des œuvres non pas originales mais pas tellement jouées, pas complètement mais une très bonne partie, parce qu'il y a eu une concentration sur André Jolivet. Sa fille Christine Jolivet est venue nous parler de son père et nous raconter des tas d'anecdotes vraiment passionnantes. Je suis venue jusqu'ici pour assister à cette soirée à la demande de Pierre-Henri Xureb qui l'a expliqué au début du concert. J'ai repris un peu la relève pour compléter les informations du public. Et effectivement, Pierre-Henri a à l'occasion d'une entrée d'un manuscrit de mon père au Conservatoire de Paris. Et alors ce soir, il a appris que j'avais participé financièrement à l'entrée en question. Nous nous sommes retrouvés et il faisait travailler cette œuvre pour alto seul que mon père a composée en 1965 ou 66 pour Serge Collot, qui a été un des grands altistes français que j'ai bien connu aussi et qui m'a amené jusqu'ici, puisque Pierre-Henri m'a dit « Mais nous allons commémorer le cinquantenaire de la mort de Jolivet et de Millau. » Et alors, ce que je n'ai pas dit ce soir, et bon, je m'en suis voulu, c'est qu'en fait, quand Darius Millau a lâché sa classe pour des raisons de retraite au Conservatoire de Paris, il a demandé que ce soit mon père qui le remplace dans la classe en question. Il y a la fille d'André Jolivet qui est avec nous et qui a parlé longuement des relations entre Jolivet, Millau et les liens qu'il y a quelque part entre tous les compositeurs de ce soir, Kodály, Jolivet, qui étaient une même génération et qui se sont servis, on va dire, des thèmes populaires pour les magnifier en musique classique. Et on est ravis de l'homogénéité du programme. Ce soir, il y avait une espèce de réunion pour moi de tous mes pères en musique, si j'ose dire, enfin de certains de mes pères en musique, parce que j'en ai eu d'autres. J'ai eu Joseph Cosmar, enfin, j'ai eu tous les collègues de Jolivet, de ce temps, plus de sa génération, de la génération à venir, et de ses élèves au conservatoire. Et puis j'ai épousé un violoniste du nom de Davy Early qui a joué la suite rhapsodique et le concerto pour violon de mon père, et puis une incantation qui n'est pas une incantation pour flûte, mais une incantation pour violon seul,
que mon père avait composé pour un photographe qui s'appelait Lipnitsky et qui était aussi violoniste. Bon, alors vous voyez, tout ça se mélange un peu dans ma tête ce soir, et puisque vous me demandez de l'évoquer, ben, j'évoque, voilà. C'est un programme assez uni, il y avait une vraie unité, je suis ravi. Ça valait vraiment la peine de mélanger tous ces gens qui venaient de pays très différents, l'Égypte, le Danemark, la France, c'est magnifique. Que Marc Vieillefond et Christophe Giovanni étaient au violon, Toke Moldrup au violoncelle et Shadi Hana, qui est violoncelle solo à l'orchestre du Caire en Égypte, qui ont joué trois pièces pour violoncelle seul, et il y avait aussi des duos d'Arius Milhaud, des pièces pour violoncelle de Jolivet et alto seul. Voilà. Festival is it's a very special because we have such a focus on the emotions of the music. I feel it's very apparent that all the teachers are really looking into make each student perform the characters of the piece and making them communicate the piece much better. I really like this attitude of music a lot. In the concerts, I played the Kodály solo sonata. So Hungarian music, and we did the Brahms sextet and the Le Roi music, and well, I'm preparing for next week Vasks, which is Latvian music, and also Piazzolla for some concerts there, and some Danish music. There's a lot of stuff actually, so it's a very very international music week, you can say, for my repertoire at least. So, are there composers you are very comfortable with, or you prefer to play well, or can you be involved in the same way for different pieces from different composers? Yeah, it's a very good question. I'm trying to live in each composer's world somehow. Yeah. So if it's Beethoven, it's something special. If it's Debussy, Ligeti, you know, you dive into the world and listen to what's around. Maybe you read a little about what was going on and the time and so on. I think that's usually our job as musicians. We should try to really find new worlds for each composer, not playing the same way. Don't do Toke in the music of Beethoven, you know. You find that, and I mean, if you have personality, which all really good musicians have, you find fantastic personalities, and it will come along somehow. So I always try to work from that side. You know, you start with the music and then you try to put yourself aside. But then, of course, you develop likings. And some things you love, and maybe you do that a little bit. And it's totally allowed. You shouldn't be frozen. Il y a parmi les choses surprenantes, pas très connues, une œuvre de Darius Milhaud, une magnifique interprétation de la sonate de Kodály, plus un percussionniste qui joue des œuvres écrites par une compositrice chinoise, et il est entièrement possédé de la culture chinoise et nous fait des choses qui nous entraînent, qui sont quelquefois sombres, quelquefois claires, très délicates, sentimentales. C'est une très 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 belle découverte. Thank you.
suis Thierry Mirolio, je suis percussionniste et bon, ça va être la deuxième expérience au Festival Vivalto. C'est un événement, je crois, unique et autour notamment de l'alto et alto plus. J'ai la chance moi de m'associer à l'alto dans des œuvres, dans des créations et des œuvres récentes écrites pour soit en duo, soit solo et d'autres formations un petit peu plus larges. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par percussion en fait? Donc il s'agit pas d'un instrument, mais d'une famille d'instruments, donc avec des couleurs à la fois de métal, de bois, de peau qui fusionnent avec les couleurs de l'alto pour donner des sonorités nouvelles et des esthétiques, on peut dire inouïes. Voilà. Pour cette occasion, donc là, il y aura un marimba, il y aura des crotales qui sont des instruments comme des cymbalettes mais accordées, comme un clavier de petites cymbales accordées. Donc une cymbale chinoise, puisque nous aurons en fait les deux pièces seront de la compositrice chinoise Shui, donc qui utilise un instrumentarium qui mélange l'instrumentarium à la fois asiatique et oriental et occidental. Et on a des pots. Voilà, des instruments en peau. Pour la seconde pièce, il y aura donc un vibraphone, des couleurs de bois qui sont un tambour de bois, des blocs de bois. Voilà, et derrière donc un tam-tam chinois. Complément des émotions et des plaisirs musicaux pour Corélie, le Festival de l'Alto, grâce à la présence des violoncellistes, a été la consécration du jeu pour violoncelle qui a été introduit en 2023. C'était un bonheur d'entendre des violoncellistes jouer les cordes Solea sur scène. C'était une consécration avec en complément des demandes pour l'Égypte, pour la Norvège, pour l'Italie. J'aime bien venir ici parce qu'on est accueilli amicalement par des immenses pointures. Le concert d'hier au soir pour moi est une merveille. Et ce que vous avez fait là à l'instant, bien. Bravo à vous. que vous aimiez ces cordes ou pas, on sera toujours en bon rapport et amicaux si vous le souhaitez. On a un violoncelliste qui joue Solea, on est très heureux de le présenter. Bravo, merci. Je m'appelle Rémi Alain, je suis violoncelliste et je connais les cordes Solea depuis à peu près un an et demi. Et en fait, je continue de les jouer encore maintenant et je les trouve formidables. Voilà. Je trouve que c'est un jeu qui combine énormément de qualités et je pense que je vais continuer à jouer dessus. Avec grand plaisir. Je trouve que c'est une bonne synthèse entre les anciennes cordes Corelli qui étaient très souples et des cordes plus puissantes qui existent actuellement sur le marché. Là, on est en fait sur quelque chose qui reste souple mais qui a quand même de la puissance sonore. Et en fait, je trouve que c'est une combinaison qui est très intéressante d'avoir la possibilité de pouvoir jouer doux et en même temps d'avoir... on sent qu'il y a une capacité de puissance en fait. Et c'est des cordes qui font pas mal aux doigts. Et ça, c'est important dans les hautes positions, quand on est dans les positions du pouce, ça fait pas mal aux doigts et ça, c'est très important. Donc je trouve que ça combine beaucoup de... En fait, c'est des cordes qui combinent énormément de qualité.
qui sont parfois paradoxales les unes avec les autres. Faire un jeu ou plusieurs jeux de Solea. J'ai pas regardé encore ce qu'il y a dedans, mais voilà. Un jeu complet de Solea. Alors, La, Ré, Sol, Do. Voilà. Coralie. Medium. Super. Génial. Exactement ce que j'ai besoin pour mon violoncelle, donc c'est parfait. Je suis très content. Je trouve ça formidable de pouvoir avoir l'occasion de faire des masterclass avec des professeurs de renommée internationale et tout ça dans un cadre assez familial et très bienveillant, on va dire. Donc, voilà, je trouve ça super de pouvoir faire ça, surtout en fait c'est un stage qui est à la fin de l'été, donc généralement on a le temps à ce moment-là, il y a peu de stages à la fin août, donc c'est un stage qui se présente très bien en fait avant de démarrer une nouvelle année. Je m'appelle Sarah Hamdoun, je fais de l'alto et c'est la cinquième fois que je viens dans ce stage et chaque année c'est incroyable. Les professeurs sont géniaux, on apprend beaucoup de choses et aussi le fait que les professeurs viennent de différents pays, on apprend beaucoup sur leur manière de jouer et je trouve ça super intéressant. Notamment au niveau des œuvres qu'on fait aussi, le répertoire dans les musiques de chant, je trouve que c'est vraiment un répertoire exceptionnel, avec des profs qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils. Donc vraiment, c'est super, comme toutes les années. Alors donc là, on a un magnifique cadeau de Savarez, donc des cordes médium. Donc j'en ai testé l'année dernière, qui était vachement bien, et donc j'ai hâte de les tester cette année, pour voir les modifications dans le son. Le ressenti, en fait, on sent que c'est une nouvelle technologie. Donc ça s'est tout de suite ressenti dans le son. Et après, donc là, on va voir si ça a été amélioré. Mais je pense que ça a beaucoup évolué et on a hâte de voir ce que ça donne. My name is Povilas Siris Galgota, and I came from Norway, and I participated in two concerts already, and I will be two more, and playing both chamber music and some solo, and solo with orchestra, and it was most pleasure maybe to teach so talented musicians, so I enjoyed it very much, and of course I feel like in adventure in this village. It's so special, so beautiful. It's an extremely great pleasure to be in this festival. And it's so fantastic place to meet excellent musicians, to meet talented students. We play together, we make music together. We talk, we change ideas. So this is, we meet from different places in the world, and from Egypt, from Norway, from France. So this is extremely valuable for all of us, all participants. Je m'appelle Noé, ça porterie, je fais de l'alto. Et la pièce qu'on a interprétée tout à l'heure, c'était Narrstück de Max von Weinzierl. Le festival, c'est incroyable, il y a plein de belles personnes. Voilà. Non, mais t'es grave, voilà. Vas-y, parle, voilà. Non, non.
on a dépassé le milieu de l'académie, donc tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà maîtrisé beaucoup mieux ce qu'ils présentent qu'il y a 4 ou 5 jours. Et c'est vraiment formidable de voir tous les progrès qu'ils font en milieu d'académie. Et les 2 concerts ou 3 concerts qui restent vont pouvoir s'exprimer et montrer au public les bienfaits de l'académie de la salle, la Vive Alto. My name is Racinio and I play viola and I'm very happy to participate in the Festival of Viola, the Fête de l'Alto. And I love this festival and I've been here since 5-6 years ago and I always enjoy this festival because we have an ambiance very special. It's very enthusiastic and everyone's very happy here and we have professional musicians from all the world and also we have very talented students and every night we have a concert and also we have private lessons and group lessons and rehearsals with students. This is very, very, very nice and I love also the weather, the location. It's a beautiful village in south of France. I like this festival and I'm enjoying here. Inside this festival, since we have concert every night during 10 days, so the repertoire is very varied. For example, I played a piano trio with 2 viola and piano at the very beginning with some repertoire of Chopin, Beethoven and Schumann. And I also played another repertoire, it's more like a viola recital with piano. And also we had 3 concerts with chorus. We played Mendelssohn, we played Schubert and great pieces and masterpieces. And also we have chamber music such as quartet and sextet. And we also have some trio from different types and different periods, from Baroque to modern and even contemporary, and also some very famous composers such as Brahms, Mozart. We have all kinds of music and all kinds of very nice musicians and students here. Mais je suis tellement content d'être ici. J'étais venu il y a 5 ans, où j'avais découvert donc ce festival dirigé par Pierre-Henri Xuéren. Mais un festival académie hyper familial, mais extrêmement exigeant, avec des concerts de haute volée, des programmes vraiment pas facile à proposer avec André Jolivet, Darius Milhaud. Hier, concert plein, voilà. Et avec plein d'altistes partout, donc plein d'altistes partout, c'est la super ambiance. Hein. Parce que, s'il y a plein de violonistes, c'est pas pareil. Mais là, les violonistes qui sont là... il y a quelques violoncellistes aussi, oui. Mais bon, on est quand même en minorité, les violoncellistes, les violonistes ici, les altistes, il n'y a que ça. J'ai l'impression qu'il y a un élevage. Non, je pense qu'il doit y avoir un élevage dans le coin. Mais je sais pas, oui, c'est de Pierre-Henri en plus, qui est un peu l'agriculteur du voilà. Et donc c'est un super festival dans une région. Alors voilà, les Cévennes, moi j'adore.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la découverte de ce magnifique événement. Nous espérons que vous avez partagé notre plaisir et nos émotions dans la découverte de sites, dans la découverte de musiciens, dans la découverte d'œuvres. Ce que vous n'avez pas pu voir, c'est le climat extraordinaire d'amitié que les organisateurs savent créer avec des échanges très simples et formidables avec les plus grands musiciens. Donc un grand merci aux organisateurs de la fête de l'Alto à la salle, qui est basée sur des bénévoles passionnés de musique, dont certains sont sur les plateaux pour accompagner les autres musiciens, en particulier un excellent violoniste. Impressionnant également, c'est l'assistance d'un public qui remplit les salles sur des programmes de musique contemporaine alliés à des pièces du grand répertoire et qui réagit merveilleusement et qui est un avantage dans un festival par la découverte que ça permet et par les comparaisons avec d'autres styles de musique et d'émotions totalement diversifiées. J'ai eu le plaisir de découvrir sur des violoncelles les cordes Solea que nous avons récemment introduites, que nous avons fait essayer, et là j'ai pu les entendre jouer sur scène. Comme l'année dernière, j'ai pu les entendre jouer par Philippe Müller, qui malheureusement n'était pas là cette année. Vous pouvez nous retrouver sur Savarez TV et sur le site savarez.fr, savarez.com.